16h à Gare, Gare Saint-Lazare, là aujourd'hui, on va prendre le métro, on se dirige vers le métro et on se retrouve, c'est la voie 27 de mémoire à Saint-Lazare, voilà, donc on se retrouve là-bas et on discutera et on échangera sur les modalités d'action pour les journées à venir. Merci à tous d'être venus. Alors quelques petits mots de ce qui s'est passé ce matin sur Austerlitz. Nous on a fait un piquet de grève ce matin. C'est la première fois qu'on en faisait un dans cette grève-là. C'est pas une tradition qu'on a sur Austerlitz, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels il y a beaucoup de passages, donc c'est pas forcément simple à mettre en place. Voilà, on avait fixé un rendez-vous à 4h30 du matin, donc on pensait être les quelques irréductibles, le noyau dur de la grève. Finalement, on était quand même une quinzaine, donc c'était un truc assez chouette. On est allé aux ateliers de Masséna, voir un peu les collègues qui allaient travailler.
vers 5h, on s'est replié sur Austerlitz, on a été rejoint par d'autres collègues, donc ça a permis d'assurer une présence en gare qui était assez sympa. Bon voilà, force est de constater qu'on n'a pas pu discuter avec beaucoup de collègues parce que tout le monde était en grève aujourd'hui, à part quelques chefs et quelques jaunes, donc voilà, bon, mais c'était sympa en tout cas. Et puis ensuite, on a fait une AG, donc on était à peu près 80, ce qui est quand même beaucoup par rapport aux dernières AG où ça avait vraiment baissé quand même. Donc voilà, une remontée de la participation aux AG, des taux de grévistes, bon, qui étaient très bons, je ne me souviens plus des chiffres en fonction des secteurs, mais voilà, vraiment une grosse journée. Donc voilà, la question, c'était un peu à partir de cette journée du 14 qui est très réussie, bah, comment on se sert de cette journée-là comme d'un point d'appui pour construire autre chose. Donc voilà, il y a une partie des copains qui ont reconduit la grève à demain, puisqu'on voulait être, je ne sais pas si vous savez, mais il y a la santé, et demain c'est une journée marée blanche dans la santé, donc les hospitaliers seront mobilisés. Il y a un rendez-vous à 13h à Invalides, donc on était une partie à reconduire la grève, on était une vingtaine en AG à reconduire la grève à demain, pour être présent aux côtés des hospitaliers, parce que voilà, c'est un problème qu'on a constaté depuis le début, ce calendrier de grève, il ne nous permet pas la convergence des luttes, puisqu'il y a les cheminots le 14, les hospitaliers le 15, je crois que c'est les étudiants le 16, puis ensuite ça sera le 22 la fonction publique, et puis nous derrière le 23 et 24, donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis on a aussi proposé un appel à la grève dans l'Assemblée Générale pour le 22, pareil, il y a une bonne vingtaine de camarades qui ont voté pour ça, pour être en grève ce jour-là avec la fonction publique. Donc voilà, je sais qu'il y avait une proposition de faire une prochaine AG intergare le 22 au matin pour se retrouver tous ensemble et puis aller à la manif. Donc je pense que c'est un des trucs qu'il faut qu'on discute ici. Voilà. Et sur le fait qu'il y ait un regain, que ça repart par rapport à cette journée sans cheminot. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça repart pas, parce que le feu, il est en nous. Le feu, il est jamais parti, les gars. On est motivés et on va... Moi, en tout cas, personnellement, je vais pas commencer à parler pour tout le monde, mais personnellement, moi, le feu qui est en moi, il va jamais partir, parce que tout ce qu'ils mettent en œuvre pour essayer de nous contrer ou autre, ça prouve qu'ils ont les chocottes, les gars. Ça prouve qu'ils commencent à douter et ils sont pas sûrs d'eux. Ils se disent qu'on est déter, on est déterminé et qu'on va rien lâcher. Et c'est clairement le message que j'ai envie de vous passer. Moi, personnellement, je vais jamais lâcher, les gars. Je vais jamais lâcher. Je serai toujours là. Vous avez très bien vu, je me suis fait gazer. On m'a déchiré mon t-shirt. J'étais à poil limite. Ma mère, elle m'a regardé. Elle m'a envoyé un message. Ouais, elle m'a embrouillé au calme. Jamais je vais lâcher. Jamais je lâcherai. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce que la seule chose qu'on demande, c'est qu'on nous laisse tranquille. Soi-disant nos privilèges, ouais. Je sais même pas, je comprends même pas c'est quoi les privilèges qui nous inculquent, qui nous donnent. Parce qu'il n'y a pas de privilèges. Dans chaque entreprise, c'est normal que tu puisses avoir les facilités de circulation à EDF. Ils ne payent pas l'électricité. Est-ce qu'on les saoule sur ça? Sur Air France, ils ont des billets gratos. Est-ce qu'on leur saoule sur ça? Non, nous, la seule chose qu'on leur demande, c'est qu'on nous laisse tranquille, qu'on arrête de nous prendre la tête. Et rien que pour ça, jamais je lâcherai. Et aussi, pour tous les autres qui se sont battus avant nous. Sincèrement, c'est rien que pour eux. Rien que pour eux, je lâcherai jamais. Rien que pour eux, je lâcherai jamais. Tous les autres qui se sont battus pour nous, tous ceux avant 95, 86, j'ai pas les autres dates, donc je dirais que c'est de là. Mais ils se sont battus pour nous. Et genre nous, aujourd'hui, pour perdre un jour, il y en a qui se disent bon, je vais peut-être perdre mon repos, donc non, je viendrai pas. Mais non, les gars, rien que pour ça, rien que pour les respecter, rien que pour eux, on peut pas. On peut pas lâcher le combat. Et moi, personnellement, parce que je parle en mon nom, hein, je parle pas au nom de tout le monde, je parle en mon nom, je lâcherai jamais et je lâcherai pas le combat. Parce que tout ce qu'ils ont fait avant nous, ils l'ont fait avec leur trip et ils l'ont fait pour nous. Donc moi, personnellement, jamais je lâcherai pour ceux qui sont après. Et voilà. Donc grand merci à vous. Ça fait super plaisir de vous voir tous. Et le feu est toujours en nous et il partira jamais. Tous ensemble, hé, hey, hé, hey,
tous ensemble, Et bien ce week-end, on a eu la confirmation qu'on a une direction qui veut privatiser la SNCF. Donc dans l'amendement qui a été déposé par la direction, donc il y avait 4 holdings SNCF qui étaient proposés. Donc aujourd'hui, dans l'amendement qui a été pondu par la direction et nos super cadres qui soi-disant pensent à l'intérêt des cheminots et vantent le 100% public, société anonyme et 100% public, dans cet amendement qui a été pondu, ils demandent la possibilité de privatiser 3 holdings SNCF. Donc SNCF Mobilité, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion. Donc en fin de compte, ça fait un mois, en comptant les temps de grève qu'on nous prend pour des cons, mais plus d'un mois, c'est-à-dire, ça fait déjà quelques mois qu'on a notre employeur, nos patrons, qui nous racontent du vent et qui vont privatiser la SNCF parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est de privatiser l'entreprise SNCF et rien d'autre. Donc aujourd'hui, on a confirmation. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tenir compte de ce qui a été fait. On doit tenir compte de ce qui a été pondu. C'est grave. C'est grave ce qui a été pondu. On a un gouvernement en plus d'un côté qui vient balader les usagers et qui vient raconter aux usagers en leur expliquant que vous inquiétez pas, on va pas privatiser la SNCF, ça va se passer très bien, ça restera une entreprise publique du ferroviaire. Et bien aujourd'hui, on a un gouvernement qui a menti à la population, on a une direction qui a menti à ses salariés, qui a menti aux cheminots, l'entreprise SNCF, nos dirigeants préparent bien la privatisation de la SNCF et la confirmation, on l'a eu ce week-end. C'est tombé dans le Parisien, les notes, les organisations syndicales, les amendements, on les a eus. Donc on s'est fait bananer, on s'est fait balader, du moins certains se sont fait balader. Moi en tout cas pas, parce que je le savais, j'étais convaincu qu'ils préparaient la privatisation. Mais le constat, il est clair, ils veulent se débarrasser de nous. On a signé un contrat avec une entreprise qui veut se débarrasser des cheminots, qui veut donner les cheminots clés en main à la concurrence, aux entreprises publiques du ferroviaire. Ça, c'est pas acceptable aux entreprises privées, par contre, du ferroviaire, et ça, c'est pas acceptable. Donc, comment on doit mener la lutte aujourd'hui? Bah, c'est simple, il faut durcir le mouvement. Comment on durcit le mouvement? Bah, c'est ce que le collègue de chez moi a dit. Il faut se poser les bonnes questions dans les AG, et il faut des alternatives à ce que proposent les fédérations, parce que moi, je suis désolé aujourd'hui, les fédérations ne sont pas à la hauteur de la situation.